Bangkok. Plus de trois siècles de relations diplomatiques avec l'Europe, des liens étroits tissés avec les États-Unis depuis la guerre froide, en ont fait l'une des nations d'Asie les plus proches de l'Occident. Bruno est turinois. Il réside pour la troisième année en Thaïlande. Lui aussi est de temps à autre mannequin. Il a été repéré par un agent de casting dans une boîte de nuit. Mais sa vraie passion, c'est la boxe thaï. Il est venu pour la première fois il y a 5 ans dans l'idée de la pratiquer. Il vit sur le seuil 5 de l'une des artères principales, Petburi. C'est un quartier pauvre, à deux pas des grands centres commerciaux ultra-modernes. Son entraînement est suivi par tous les habitants du quartier. Ici, c'est un petit peu, c'est une fête, la boxe thaï. Comme on dit, c'est un petit peu comme le foot chez nous. Alors tous les gens qui ont un petit peu de temps libre, ils se mettent à regarder l'entraînement, ils donnent des conseils. C'est pratiquement le foot chez nous. C'est pas vraiment des gens qui bossent ici. Ça, c'est vraiment la misère. Quand tu te rends compte, tu regardes tous les gens qui... C'est un quartier très populaire ici. Je pense qu'ils font des mototaxis, peut-être il y a des voleurs, je sais pas. Tu vois les maisons, quelqu'un qui vit ici, c'est vraiment affreux, comme on dit. Bah, ils sont heureux, tu vois, ils sourient. C'est sûrement pour le plaisir, bon, pourquoi je pense pas que je suis au niveau de le boxeur thaï. Pourquoi pour moi c'est un sport, j'adore, j'aime ce sport, mais pour eux c'est une façon de vivre. Alors la motivation qu'ils ont, c'est beaucoup plus fort. Imaginez-vous ce... Un gosse ici, il boxe, il doit maintenir toute la famille, peut-être la soeur, il est à l'hôpital. Et bon, alors le caractère, c'est autre chose. Moi, c'est qu'un sport. Je me donne au fond, mais ça... Jamais je peux être comme eux. Le vieux maître, malgré les 35 à 40 degrés de chaleur, boxe ainsi 4 à 6 heures par jour, prenant à la leçon un à un de jeunes sportifs de 40 ans ses cadets. Il prend un pourcentage sur la bourse de combat. Pourquoi? Quand tu boxes, tu as de l'argent. Et lui, il prend un pourcentage qu'il va de le 10, qu'il va de le 20%. Et lui, il s'occupe de t'entraîner, il s'occupe de le contact. Il fait le manager, c'est le manager de la boxeur. Et aussi, il y a un rapport, c'est pas seulement un rapport de sport. C'est un peu comme ces petites filles, tout le monde. Il y a un très gros respect. C'est plus qu'un simple entraîneur. Bruno a profité de la vie nocturne de Bangkok très intensément. Il aspire désormais à se marier.